Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure de Bob l'Éponge! Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, et ta voix, c'est Bruce. Allez, où? Ouais, bah, où? Wouhou! Bye bye! Bon, on va aller aider Monsieur Crab. Il y a 12 spatules à pogner encore là. Tu fais les robots, mais je suis pas sûr où partout, je les vois pas tous. Ben, je l'ai fait, faut que tu vas, je vais parler à Monsieur Crab. Ah, c'est là la slide. Pas ça que je voulais faire, en tout cas. Ah, où la boîte, là? Elle est là. Allez, chaton, ça va? Un cœur propre comme un fou. Ça va? Bon, toi. Voici ta récompense. Merci! Oh là là, oh là là, oh là là. 25 spatules dorées. Bon. Ah, faut que je prenne Bob l'éponge, tantôt. Tiens-toi. Et tiens-toi. Aïe aïe, c'est allé ça. Où tu me sacres à peine? Bon. C'est beaucoup mieux. Salut Bob. Bon, je sais ce qu'on a une spatule là, ben une à peu près là. Je sais qu'elle est entourée de 4 cubes. Je pense qu'il faut sauter avec une corde pour l'avoir. Parce qu'il appelle ça bungee. Comment je peux savoir depuis le start, t'appuies
Ça dit, garde, il en manque une. Et quand tu vas voir là, ça dit. Saut à élastique sur la tour. Ah, putain. Ah, cette tour-là. On est supposé me rendre là, moi, là. Hé, là, la clé, là. Ah, là! Y'a un crochet ou. Ou c'est avec un esti de saut à la guesse? Ah oui, c'est un saut à la guesse ou quoi? Je comprends pas. Ça à la place. Ah non, ça marche pas. Ah, mais j'aurais pu sauter dessus par exemple. Non, faut que je fasse du bungee, mais le bungee. Je suis pas du bungee, moi. Ça dit liseuse de bonne ententure, Madame Fichy. Madame Poisson. Oh, c'est-tu de cabochon? Il manque juste deux bas dans ce tableau là. Hey 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 hey. On va de là. C'est pas ça. Ah, zut. Ouais. J'ai vu l'autre bord qu'il y avait une affaire pour les boss.
Salut, Contact You. Viens nous trouver sur Twitch, mon ami. Mixeur ferme. Viens nous trouver sur Twitch. Bon. Logiquement, on a tout fini ici. Et, ben, pas tout, mais... On a fini l'essentiel. On va aller. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sors d'ici. Que je commence une nouvelle section ou que je retourne aux anciennes à essayer de terminer l'émission? Pogner les spatules qu'on n'a pas fait encore. Non, c'est bien, mais ça, je veux dire, on continue Bob... Ouais, le Bob l'éponge, c'est un bon jeu. Mais je veux dire, est-ce qu'on retourne dans les anciens tableaux? On a le choix d'aller commencer un nouveau tableau avec 15 spatules ou... Je réalise que peut-être... Ici, il manque des spatules. Hey, ici, il y a des spatules, des choses cachées. Quoi, ça? Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Oh, ça! Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'appuyer sur un bouton. Clic, ouais, j'ai déjà tout fait ça aussi. J'ai un curieux si je peux marcher. Hey, monsieur Crabbe! Ton coffre au trésor, mais là... Il est pas 9000 quand j'en ai. Hey Patrick, comment ça va? Oh mon petit Bob, tu en as trouvé! Elles sont de retour, bien au chaud chez elles! Voici ton gratteur de dodo. Spatule! Je parle pas italien. Il dit la même chose! Tu veux qu'on rentre dans l'ananas? C'est là qu'on commence au début dans l'ananas. Dans l'ananas. Je vais me préparer un casse-croûte. Mais je n'ai pas le temps! Une note de Monsieur Krabs. Et elle sent la sueur, tout comme lui. Bonjour, mon petit Bob. En l'honneur de... la loyauté... Là, j'ai vu ça. Ne sois pas si dur, Gary. Je m'en souviens. Il faut appuyer sur... Peut-être un petit saut dans ce bon vieux lit. Et j'ai pas pris la bonne porte pour sortir. Sexy. Ah, ça, c'est la chambre de l'autre. C'est ça, je cherche, moi. Ça joue encore, Bob l'éponge? Y'a-tu comme des nouvelles émissions à chaque... C'est encore des 16 ans? Je peux aller au Josie Bar à pied? Ah non, je peux pas, ok. J'allais tuer ce petite bulle torpille-là.
Bon, ça, on va aller là. Tu l'as? Non, c'est pas là, je pense. Hey Matt, comment ça va? Même pas pensé que t'étais là. Voilà pourquoi je ne sors jamais. Jamais. Ta 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 ta. Je pense que je vais prendre une boîte, elle a une boîte de copole. Comme ça, t'aimes ça faire du camping? De cette pellicure. Et de quoi parles-tu? Mes pieds vont très bien. Une boîte là. Oh, yes. Ah, ça te souvient du stuff, ça. Hein, on peut faire ça? Je savais pas, ailleurs, ça c'est nice. Tiens, pas tant de gosser, qu'est-ce que tu veux, toi? Dis-moi que tu n'as pas conduit. Bien sûr que non, Madame Puff. Je n'ai même pas mon permis. Oh, bien. Alors ce n'était qu'un cauchemar. Dis-moi que tu n'as pas conduit. Non, j'ai pas conduit, mais qu'est-ce que tu veux que je fais? Vider le lac. Vider le lac de quoi? C'est lui, là. Comment je vais aller le tuer s'il est là? Frais comme une brise printanière. C'est là, ça. «
chasse-cirebou, bébé. La survie du crabe croustillant et de ton travail en dépend. On prend pas trop. La machine là-bas, voudrais-je tuer, mais... J'ai aucune idée comment. Comment je pourrais faire ça, moi, là? Bob, il peut pas rentrer là-bas. Ah, il faut le lance-bulle que j'ai pas encore. C'est ça qu'il faut. Je suis allé de l'avant. Là. On n'y sera pas ici. Bon, on sort de là, star. Ah, oh, tabarnak. Patrick, donne rien, Patrick. À moins qu'il y ait un cube de glace à quelque part. Il y a le calice. Les sous-vêtements de Bob ne lui vont pas tout à fait. Si un cube de glace, ça marche. Ah ouais, les gars, ça. Première chute, donc ça chute. Bon. Comment je fais mon aide ici, de cette heure? Ah oui, je peux sortir de là. Je savais pas qu'on pouvait s'en aller comme ça. Ça va être bien. Ça va m'aider pour une coupe d'affaires.
Ah, il y a juste quelque chose, hein. Je voulais voir. Ça, c'était quoi? Hey, Patrick peut faire ça. Je peux peut-être lancer la roche. Et... Attends, on va essayer de quoi après? On va faire ça là. Je vais voir qu'est-ce qui est ça. Là. Youpi, c'est parti! Oh là! Oh, du calice. Tu! Viens-t'en ici, toi. Tiens-toi. Tu ne toucheras plus. Il y a des spatules là, là, tout de suite, là, là exactement, j'ai aucune idée. Déjà fait ça. Avant ça, j'étais obligé de pogner la. Oh yeah. Ok, ouais. Oui, hein, tabarnak. Ça explose. Les sous-vêtements de Bob ne lui vont pas tout à fait. Ah, il y a une spatule là. J'ai été puis j'ai avancé là direct, moi j'ai même pas été là. C'est bien, toi. Vous, vous apparaissez tout le temps là-bas, là.
go. Hey, ça va être compliqué. Ah, c'est-il, il est l'autre bord de tabarnak. Hey, ça va être compliqué, ça, là. Chaud dessus ou de la ramasser. Pas, là. Oh, c'est-tu? Les lance à mauvaise place. Ah, il y en a un violette là-bas. Je pense que je vais essayer de quoi? Ah non, ça, ben, ça pourrait marcher. Ouais. Ah, ça marchera pas. Ah! Je vais comprendre! Faut me dépêcher, par exemple.
Le robot, il a fait boum. Ah, la grosse facette qui apparaît là. Oh, tabarnache! Fallait lire la pancarte! Attends, ça dit que Patrick peut lever les robots. Les sous-vêtements de Bob ne livrent pas tout Patrick. Non, je pouvais pas. Ah, je peux peut-être les étourdir en lançant quelque chose dessus. Allez. Quand même. C'est beaucoup. Mais comment on fait pour les étourdir? Je comprends pas pourquoi qu'il se fâche à la tête des fouets pis... Oh, oui, oui.
Ah! Bien! Béhu, putanos! Et de 28! Une bonne question, faut que je vérifie mes affaires. J'aime pas mettre des jeux, j'aime regarder les affaires du même créateur. C'est pas les mêmes créateurs. Bon, allez, on s'en va à un nouvel endroit. Oh! Je vous ai fait venir pour relever un grand défi. J'ai des nerfs d'acier et des muscles de sable. Et des yeux de bébé. Un puissant ennemi s'est introduit dans mon Poséidon, mais tu dois le vaincre. Je suis chaud, votre majesté. Je suis chaud. De ce côté, pour défendre le Poséidon, un petit gars carré. Et son adversaire, un gigantesque robot tueur en forme d'écureuil. Regarde, une girafe. Il faut que je rentre pour nourrir Gary. Je comprends pas là. Il y a une mécanique là-dedans, c'est rien que je la comprends pas. À une ouverture. Mais arrivera-t-il à venir à bout du robot? Ok, oui. Grande barrière de corail. Oh, c'est la tête! C'est quoi j'ai fait ça? La barre rouge! La boule rouge! Le robot est devenu vulnérable! Ah, si j'arrive pas, je suis ben connant! Frais comme une brise printanière! Le robot est devenu vulnérable! Oh, c'est n'importe quoi, Rémi! Ouch! L'éponge gagnera. Le robot est devenu vulnérable. Mais non, je le touche pas. Bob l'éponge a une ouverture. Mais arrivera-t-il à venir à bout du robot? Peut-être j'essaie ça, attends. Le robot bon. Se fait rosser. Thank you.
ce robot ferait bien de vite changer de tactique. Je veux jouer, je veux jouer. Patrick, ce n'est pas un jeu. On se bat pour notre survie. Je veux jouer, je veux jouer. Une vieille technique de la corde à linge. Ouh. Hey, on dira que Patrick a une occasion en or. Non! J'ai compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, je la pitchais dans... ...de type douloureux. J'ai compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je veux jouer. Patrick, ce n'est pas un jeu. On se bat pour notre survie. Je veux jouer, je veux jouer. Bon, d'accord. Hey, faudrait qu'on enregistre ce bout-là. Je sais quoi je vais faire. Hostique, fais-moi passer, Mad. Faut que j'enregistre ce bout-là, pis faut que je mette ça. La bonne vieille technique de quand les gens vont vouloir jouer, je vais peser là-dessus, je vais dire... Je vais cliquer sur... Le robot perd la tête. C'est un violent take down de Patrick. Ouch. Les sous-vêtements de Bob ne lui aident pas tout à fait. Le robot perd la tête. On a trimballé. Oh! Patrick réalise un joli tir avec ce truc en forme de tête. On dirait que Patrick a une occasion en or. Wow! Jamais je n'ai vu un combat aussi électrisant. Oh, est-ce que t'es pas... À ton tour, Bob. Oui, bonne vieille technique de la corde à l'air. Je me sens regonflé à bloc. Oh, quel uppercut! Allez, Bob, t'es capable! Et aïe! Frais comme une brise printanière. Joli coup de Bob l'éponge. Dernière shot. Ce match est quasi terminé. Non, mal fait. Caribou canadien le fou. Dorée. Oh yes! Un bon de 5$ et 32 cents valable dans la boutique Fleurs et Écailles de Poisson Séché. Oh nice! 5$ de rabais en plus. Je me suis juré de pas pleurer. Pleure autant que tu veux, mais pas ici. Je viens de cirer. «
Salut, Plancton. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais simplement pourquoi les robots semblent venir de l'intérieur du sceau de l'enfer. Ah oui? Je n'avais pas remarqué. Ouais. Et puis il y a aussi cet énorme panneau lumineux aveuglant qui indique QG des robots. Bob l'éponge, je suis ton ami, pas vrai? Non, pas vraiment. Exactement. Et en tant que pas ami, je m'inquiète pour toi en ce moment. Tu réfléchis trop. Tu risquerais vraiment de te blesser. Je vais te dire ce que je compte faire. Je vais penser à ta place. Comme ça, tu ne te blesseras pas et tu peux continuer à essayer de me faire entrer dans le sceau de l'enfer. Merci, Plancton. Tu es le meilleur pas ami qu'on puisse avoir. Fini la réflexion pour moi. C'est une blague dans le jeu, ce graine de bois. Rejoignez-nous sur Twitch, mon cher ami. Wow, l'homme sirène et Bernard l'ermite. Nero, moi une boule d'eau. Allez, allez, allez. Non, on ne fait plus ce genre de choses, gamin. Nous sommes à la retraite. C'est le dépanneur pour l'atelier. Non, c'est encore cette petite éponge surexcitée. Oh. T'es sûr qu'il ne peut pas réparer la télé? L'homme sirène, ce serait un véritable honneur de réparer votre télé. Chouette! Dis, gamin, tu veux vraiment nous aider? Oh, que oui! Bon, très bien. Mais fais descendre ton enthousiasme d'un cran. Ça fait grincer mes articulations. Nous avons un petit problème avec quelques robots dans la grotte de l'homme sirène. Tu es certain d'être à la hauteur? Sans hésiter, Bernard l'ermite. Bon, emprunte le passage sous le canapé pour entrer dans la grotte de l'homme sirène. On se retrouve là-bas. C'est déjà le jour de la compote. Ça brille. C'est encore ce gars. Sous le canapé, où? Laisse-moi t'apprendre comment façonner une bulle de bowling. Appuie sur ce bouton et tu façonneras une bulle de bowling capable de renverser les ennemis de loin. Waouh!
N'oublie pas toutefois que la bulle de bowling ne fonctionne que sur ce qui se trouve près du sol. Compris. Je veux dire... Fuis. La face tabarnak. Ces fichus robots ont brisé le verre, Bob. Mon arbre est rempli de robots. Et c'est entièrement de ta faute. Alors rentre là-dedans et répare tes erreurs. Bon d'accord, c'est beaucoup mieux. J'imagine que tu auras plus besoin que moi de ça. C'est bon, ils m'ont donné 160 secondes faire ça. Il m'aurait pu en donner 10. Ah, barnage! Oh, c'est parce qu'il est pas sous l'eau, c'est pour ça qu'il est tout sec! Oh, c'est... Je me sens regonflé à bloc. Hosti, qui est laid! Ah, je peux pas rentrer dans l'arbre. Fais, Patrick. Fini de jacasser. On a des robots à frac... J'aurais dû garder s'il y avait d'autres choses à faire là-dedans, par exemple. Thomas, oublie pas de nous rejoindre, mon ami, sur sur Twitch. Mixeur ferme. Il dit on se rejoint sous le sofa. Allô, mon ami Amand. Oublie pas de nous rejoindre sur Twitch, on est là. Ce gamin réparateur de télé, il peut peut-être... Burk, mon garçon, si j'étais toi, je fuyais. Ah, mais t'as dit que tu voulais que je te rejoignais. T'as dit sous le canapé, mais viens là-dessus. J'adore ouvrir des cadeaux. Viens nous trouver là. Ah, j'avais pas vu le bureau du shérif. J'aurais préféré pas y entrer tout de suite. Je parlerai à personne, je vais sortir, on va y retourner demain. Je
Et Monsieur Crabbe, tu as trouvé 10 chaussettes et gars. Pas encore, Patrick. La petite bête qui roule, qui roule. Ah, Monsieur Crabbe a changé de place ou quoi? Ah, il est là, Star. Alors, tu veux bien échanger des objets brillants contre une spatule dorée? Voilà un bel ouvrage. À plus. 31. Ton coffre au trésor m'a l'air bien léger. 12 000, ok. Là-bas, il y a 30 spatules. 25, 40. Bon, on doit je dois ramasser le plus de spatules pour avancer un tableau. Donc, c'était tout pour le jeu Bob l'éponge carré live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!